Bonsoir à tous, ceci est une vidéo où voilà, je filme ma visite à la Japan Expo le jeudi 4 et je suis surtout resté auprès des anciens Voxmakers parce qu'ils étaient présents et donc voilà, j'ai passé du temps à les interviewer et donc voilà le résultat. Salut. Alors je commence par la fin. Ah bah fait des fanarts, j'ai publié. J'ai un beau sourire. Hein. Ouais, non, mais bon, c'est comme ça. Parce que tu te rends pas compte, mais c'est plutôt fidèle en fait à ce que tu es. Est-ce que quand on te dit que Disney, c'est une bébé interview. Une bébé. C'est possible. Ça dépend. Alors je te filme. Ça dépend. Bah, moi je suis intéressé. Alors, okay. Alors quel est ton deuxième prénom? Moi tu vois. Quel est ton deuxième prénom? Roger. À quel âge as-tu touché pour la première fois Internet? Oh, je crois que c'était en 2004-2005. 2004-2005, très bien. La télé, c'est bien? C'était bien. C'était bien. D'accord. Est-ce que t'as une blague pour russe maintenant? Non. Ah, très bien. Ketchup ou mayo? Ketchup. Olive verte ou olive noire? Aucune. C'est trop jaune ou c'est trop vert? C'est trop vert. Elle ou la cuisse? Ouais, la cuisse. Ou gourmille? De finesse. D'accord, très bien. As-tu voté pour les européennes? Oui. Ah, très bien. Au pile ou face, tu choisis quoi? Je choisis la tranche. Ah. Est-ce que le verso de ma feuille te fait peur? Ouais. Très bien. Oui. Est-ce que ça va mes questions ou Ouais, ça va. J'ai l'air ridicule avec mon chapeau ou quoi? Ouais, ça va, très bien. Peux-tu répondre à cette question? Oui, c'est fait. Très bien. Combien as-tu d'abonnés à ton avis? Là, j'en suis à 32 000, je crois, à quelques. Alors, attends, 31 750. J'étais pas loin. J'en prenais bien pas. Combien y a-t-il de pays dans le monde à tous les Il y en a reconnu par l'ONU. Ouais. Il doit y en avoir 190, 197 par là, je crois. Ah non, c'est 197. Ah, j'étais pas loin. Ah bah oui, c'était pas à toi, frère. Moi, je pensais que t'avais plus. Et peux-tu signer ici? Je peux. Très bien. Je révise ma géographie. Non, mais bon, peux-tu aussi à côté dessiner ton t-shirt que tout le monde adore dans les commentaires? Un t-shirt? Oui. Attends. Et de toute façon, j'ai besoin de quelque chose. Ouais. Ouais. Je vais faire un truc simple. C'est un différent. Non. Encore mieux. C'est un survivant. Je sais que c'est un différent. Antoine, tu peux après, une fois que tu auras fini ta dédicace, là je voilà, parce que je suis pas trop mal. Il y a quelqu'un ici qui l'a fait, Je dessine mal moi, ça ressemblerait plus à ça mes dessins. Ouais. C'est très bien, merci. Ouais, c'est eh bien, bonne continuation hein, et bonne suite. Bonne chance. Merci, merci. D'accord. Bonjour. Salut, ça va? Très bien, et toi? Est-ce que je te peux te faire le dessin? Ah oui, le dessin, je te le donne, voilà. Ah, il est bien. Comme en URSS, on donne le service avant. Ce sera plus pratique comme ça, je pense. Ouais. Alors, donc, je te filme, voilà. Alors, quel est ton deuxième prénom? Robert. Très bien. À quel âge as-tu touché pour la première fois Internet? Je crois que ça remonte à 98. Je sais plus, parce que ça remonte à la fois où avec mon père on essaye de retrouver des trucs en rapport à Digimon ou à Sonic, ça date un peu, je dirais 2000, allez on va dire 2000, allez. YouTube c'est bien? Ça dépend, parce que c'est bien pour montrer les vidéos à un maximum de monde, mais niveau restriction c'est tout à fait problématique. Et la télé c'est bien? C'est pire que YouTube. As-tu une blague sous la dent, une blague pourrie sous la dent? Alors,
les autres ne m'entendent pas parce qu'ils commencent à être saoulés par cette blague, donc ils peuvent pas m'embêter avec ça. Alors, ça se passe durant le passage à l'euro. Voilà, oui. On a dû passer du froid à l'euro. Il y a un petit gang de gangsters qui commençait à s'organiser pour leur billet, ouais. pour être prêts pour l'euro. Alors, ils ont fait des billets de 10, des billets de 20, des billets de 30, des billets de... Attends, quoi? Des billets de 30? Ça n'existe pas, les billets de 30. Oh, merde! Moi, j'étais sur mais non, pour crétin, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces billets de 30 que t'as fait produire? Alors, du coup, ils essayent de les distribuer à tous ceux qui ne le sont. Voilà, en espérant que, à cause de la transition, personne ne captera que ça n'existe pas, les billets de 30. Et que ce soit à Marseille, en Bretagne, dans tout le continent, ils ne trouvent personne. Et là, il a une idée. On va essayer d'accord. Parce que les cordes, voilà, ils sont un peu tôt, ils sont un peu arriérés, voilà, ils ne doivent même pas passer au front, tellement ils sont diminués. Voilà. Donc il essaye. Il va dans un petit village en Corse, voilà, il tombe sur un petit vieux, tout sympa, voilà, il discute. Et là, il. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous auriez de la monnaie sur un billet? Mais bien sûr, combien il te faut? Et ben voilà, j'ai un billet de 30. Oh, ça tombe bien, j'ai deux billets de 15. Voilà. Très bien, super. Alors, ketchup ou mayo? Sauce et mentale. Très bien, olive verte ou olive noire? Là, c'est plus compliqué de toucher. Pois chiche. Citron jaune ou vert? Oh, les deux. Ah, aile ou la cuisse? Aile ou la cuisse? Louis de Funès ou Bourville? Louis de Funès, alors si je vais peut-être te regretter, mais si je te dis que je n'ai vu aucun Star Wars, aucun Harry Potter et aucun Seigneur des Anneaux, est-ce que tu vas m'étrangler? Non. Non, très bien. Non, tu regardes ce que tu veux à ton rythme, et voilà quoi. Est-ce que le verso de cette feuille te fait peur? Ouais. Au pile ou face, qu'est-ce que tu choisis? Face. Peux-tu répondre à cette question? Oui. Très bien. Quel est le dernier film que tu as vu? Alors, au cinéma ou en général? En général. Très bien. Ah oui, c'était bien? C'était très bien, ouais. Très bien. Combien as-tu d'abonnés? Ah bah là, j'approche maintenant des 170 000. Ouais, t'en es à 168, 551. Ouais, de ce que j'ai vu, je suis passé à 169. Ah oui, très bien. Combien y a-t-il de pays dans le monde? Oui, 197. Combien ça fait 6 x 7? 42. Oui. Et est-ce que tu peux dessiner un gros port à côté de ta signature? Ouais, un gros port. Oui. Bonne continuation! À toi aussi! Merci! Je cours! Interview de 2 minutes, de 2 secondes. Ok, 2 minutes. Oui, pas plus.
Ah oui. Bim bam boum. Alors, quel est ton deuxième prénom? Ah, je suis embarrassé. Roger, très bien, tu n'es pas le seul. À quel âge as-tu touché pour la première fois Internet? J'ai eu peur de la question. À quel âge as-tu touché pour Internet? Parce que j'ai touché, j'étais en 6e. Ouais. J'étais au collège, je ne sais pas à quel âge ça fait. 3 ans, 2 ans. Voilà, 2 ans, 3 ans. Ok. YouTube, c'est bien? Non, c'est pas mal, c'est pour ça que je suis resté pour. Ah d'accord. La télé, c'est bien? Ok, est-ce que t'as une blague pourrie sous la dent? Tu veux l'histoire du continent? Bah du coup je vais pas répondre à cette question. Ketchup ou mayo? Ouais. Olive verte ou noire? Comment? Olive verte ou noire? L'une et l'autre. Citron jaune ou vert? L'aile ou la cuisse? Les deux. Louis de Funès ou Bourville? Les deux. Alors, est-ce que le verso de cette feuille te fait peur? Une partie oui, l'autre non. Très bien. Alors, quel est le dernier film que tu as vu? C'est 117. Ah, au pile ou face, qu'est-ce que tu choisis? Très bien. Ça va mes questions? Est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre avec le même chapeau que moi? Très bien. Combien ça fait 6 x 7? Il y a combien de pays dans le monde? Très bien. Et est-ce que tu peux signer ici? Non. Ah, d'accord. Très bien, merci, bonne continuation. Bonjour, est-ce que je peux vous faire une petite interview de 2 minutes, bébé interview? Oui, oui, une bébé interview. Je te filme et tout, hein, comme... Oh, attention. Alors, je commence par la fin. Tiens. Alors... Quel est ton deuxième prénom? C'est Hubert, Jean-Hubert Moderne. Très bien. À quel âge as-tu touché pour la première fois Internet? Je dirais que c'est il y a des temps immémoriaux quand il y avait à une époque où je faisais du business en gravant des DVD de Naruto pour mes amis et en échange, je me donnais des lecteurs MP3 avec François Pérous dedans. Très bien. YouTube, c'est bien? C'est une question piège. C'est pas que c'est bien, c'est que c'est la seule solution. La télé, c'est bien? Joker. As-tu une blague pourrie sous la dent? Attends, laisse-moi te dire. Non. Il y a des morceaux de cookies, je crois, un peu. Non, non, ça va, c'était les chiffres de tout à l'heure, non? Ouais. Ketchup ou mayo? Mayo Kid, c'était du ketchup avec des rayures. C'était du mayo, mais avec des rayures de ketchup. Ah oui. C'était très bon. Alors, olive verte ou noire? Généralement, je préfère remplacer par plus de fromage, si je peux. Citron jaune ou vert? Les deux en même temps avec de l'ananas, c'est super. Très bien. Elle ou la cuisse? Moi, je suis plutôt bonsaï et la barre. L'eau de Funès ou Bourville? J'ai déjà répondu à cette question, en fait. Oui. As-tu voté pour les européennes? Joker. Est-ce que le verso de cette feuille te fait peur? Ah d'accord. Est-ce que ça va mes questions? C'est pas mal. Tu sais c'est qui Najat Vallaud-Belkacem? Qui c'est Belkacem? Oui. De quoi? Tu sais qui c'est?
Najat Vallaud-Belkacem. Ça me dit vaguement un truc. Ouais, c'est l'ancienne ministre de l'éducation. D'accord, ça marche. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un d'autre avec le chapeau le même que le mien? Ouais. Ah bon? Et généralement, bah, il traite sur Reddit. Ah d'accord. Peux-tu répondre à cette question? Jean Hubert. Ah oui. Combien ça fait 6 x 7? 47. Et... Non, 42, je déconne, c'est dans l'élève du commun, il pose tout le temps cette question. Oui, voilà, tout à fait. Et combien as-tu d'abonnés? Attention, oulala. Récemment, ça me fait 200 000 maintenant. Et merci à vous pour ça. Vous avez été très nombreux à me soutenir. Et je me suis réveillé un matin et j'ai découvert qu'on avait dans ce maison. Non, mais c'est super sympa de se dire qu'après tout ce temps, je continue d'exister sur YouTube. Et j'espère. Je vais accompagner beaucoup de leur jeunesse. J'espère vous accompagner votre jeunesse. Là, tu as atteint les 205 000. Ouais, c'est pas grave. Allez, combien y a-t-il de pays dans le monde? États-Unis, Canada, Mexique, pas non. Est-ce que tu peux filmer? Est-ce que tu peux filmer n'importe quoi? Est-ce que tu peux signer ici? Alors dans l'espace qui voilà, et tu pourrais dessiner à côté, je ne sais pas moi, la fameuse voiture Transat qui fait essayer. Freestyle. Je vais essayer. Très bien, merci. Et merci. Bonne continuation. Salut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À plus tard. Voilà.